Je suis un paysan. Je m'appelle Jean-Jacques Fortuné. Je suis né et j'habite à Massogne, qui est un village de la Vienne situé à 30 km de Poitiers, dans une région de polyculture. La terre, ici, n'est ni meilleure ni moins bonne qu'ailleurs. Mais la commune se dépeuple, et le village est de moins en moins actif. Car sur notre terre, telle qu'elle est, un paysan ne peut plus mener une vie décente. Tout le mal vient du trop grand morcellement de notre surface cultivable. 800 propriétaires pour 1300 hectares communaux. Et si l'exploitation moyenne atteint 30 hectares, ces 30 hectares sont souvent composés de 100 à 150 parcelles, voire 200. Pour bien se rendre compte, il faut imaginer la vie d'un jeune sur ces 30 hectares. La plupart du temps, il est seul à la culture, puisque la propriété est trop petite pour nourrir un ouvrier agricole. Ensuite, le morcellement des terres est tel qu'il doit sans cesse courir d'un bout de champ à l'autre et perdre un temps précieux. Enfin, il ne peut pas acheter le matériel indispensable car les surfaces cultivables sont trop faibles pour l'amortir. La femme, elle, a toutes les servitudes. Entretenir la maison, élever les enfants, aider le mari au champ, soigner les animaux et traire les vaches. Donc, une vie sans espoir. Ni congé, ni repos, et la perspective de vieillir vite et puis d'attendre. C'est pourquoi beaucoup de jeunes ont quitté et quittent la terre définitivement, et souvent les plus intelligents. Ceux qui ont compris qu'il faut vivre décemment et que ce n'est plus à la campagne qu'on peut le faire. Mais nous ne voulions pas partir. J'ai 31 ans, je suis jeune et j'aime ce métier. Alors, il fallait trouver une solution pour que notre vie se déroule normalement, honnêtement, tout en restant chez nous. La seule solution, c'était de se grouper. Au lieu d'avoir chacun le même matériel pour cultiver de petites parcelles, il fallait se grouper pour exploiter à plusieurs des terres plus vastes avec un matériel unique, mais varié, approprié et rentable. Et puis, il fallait à tout prix libérer nos femmes d'un travail pénible, souvent plus dur que celui d'un homme. Cela, c'était en 1959. En 1960, comme le remembrement de la commune se lançait, j'ai réuni 10 personnes et je leur ai dit. Voilà mes amis, le remembrement de la commune se prépare, il faut en profiter pour réorganiser notre parcellaire qui est lamentable et essayer de nous grouper pour mieux cultiver nos terres. Pour les paysans, tout ce qui est nouveau fait peur. Sur 10, nous nous sommes retrouvés 5, 5 de même caractère et de même conception psychologique. Monsieur Nerbusson-Maurice, 50 ans, avec 2 enfants. Monsieur Couillot-Roger, 56 ans, seul sur sa propriété, car ses 2 filles s'étaient parties de la terre. Monsieur Boussicot-Jacques, 36 ans, qui avait son exploitation dans un hameau à 3 km d'ici. Monsieur Baudin-Hervé, 39 ans, seul sur sa propriété avec sa femme et ses 7 enfants à charge. Enfin moi, Fortuné Jean-Jacques, qui était peut-être le plus favorisé de tous, car nous étions 2, mon père et moi, sur la propriété. Donc, 5 chefs d'exploitation, 185 hectares de terre, dont 130 nous appartenaient, et 55 qui étaient en fermage. De tout cela, nous ne voulions faire qu'une seule exploitation.
Les difficultés que nous avons rencontrées étaient matérielles, mais surtout psychologiques. Car se grouper, cela suppose une véritable transformation de la mentalité paysanne. Il faut faire du nouveau. Et faire du nouveau à la campagne, c'est une révolution. Il faut abandonner l'idée de la propriété personnelle, et ça, c'est difficile pour un paysan. Il ne faut plus dire « c'est mon champ, mon tracteur, mon troupeau ». Il faut arriver à admettre « c'est mon cinquième de champ, c'est mon cinquième de tracteur, c'est mon cinquième de troupeau ». Il faut penser que l'on n'a plus rien à soi, mais une partie du tout. Moi, vous voyez, j'ai confiance au groupement collectif. J'ai même abandonné ma ferme, celle de mes parents. Elle était trop loin. Alors je suis fait construire une maison à côté des autres et j'aurai le cinquième de la ferme collective. C'était, à mon avis, la seule solution viable. Il faut se débarrasser de l'esprit atavique du paysan et considérer la terre comme un outil, non comme une propriété, mais pour ce qu'elle rapporte. Il faut apprendre à compter. Prendre un papier et un crayon, peu de paysans savent le faire. Si on leur demande ce qu'ils gagnent à la fin de l'année, ils le savent peut-être, mais si on leur demande ce qu'ils perdent, ils ne savent jamais. Ils ne savent pas toujours où est leur avantage. Les gens d'ici n'ont pas compris nos idées, pas du tout. On a cru que nous voulions voler la terre des autres. On a pensé que nous voulions transformer la commune en kolkhoze. Tout ce que l'on peut inventer de méchant et de faux, on l'a dit pour nous empêcher de regrouper nos terres. Pendant le remembrement, il y a eu lutte, injures, pressions, menaces, procès. Mais nous avons tenu le coup, car nous savions que c'était l'unique chance de nous en sortir. Tant bien que mal, nous avions regroupé nos terres en parcelles plus vastes. Nous avons unifié notre matériel et nous nous sommes mis au travail en commençant par faire des assolements collectifs. Partant de là, il n'était plus question de revenir en arrière. C'était un pari que nous faisions sur l'avenir car la réussite de notre affaire dépendait des crédits demandés à l'État. De cette manière, nous avons fonctionné 4 ans avec des hauts et des bas. Avec 7 enfants, quand j'étais tout seul avec ma femme, je n'avais pas le droit d'être malade, elle non plus. Je n'avais pas le droit de prendre de congé, elle non plus. Maintenant, si je dois m'arrêter, je sais que le travail sera fait quand même, mes camarades étant là pour me remplacer. Avant notre groupement, nous avions 5 machines pour couper les 5 exploitations. Maintenant, il n'y en a plus qu'une seule qui est un peu plus grande de coupe. Ce qui nous permet de faire plus de travail, d'abord parce que les parcelles sont plus grandes, ensuite il n'y a pas d'arrêt, car à midi il y a un changement d'équipe, le travail est beaucoup plus agréable, il y a toujours un bon mot pour rire, le soir le grain est ramassé, la paille est rangée, rien ne reste à la traîne. Je suis allé à Paris prendre des conseils auprès des autorités compétentes. La coopérative et la société civile ne convenaient pas à notre organisation. La loi d'orientation agricole de 1960, ayant prévu les groupements agricoles d'exploitation en commun, c'est avec satisfaction que nous avons pris cette solution. Dans notre cas particulier, nous avons apporté en capital social notre matériel et nos animaux, nos bâtiments et nos terres restant notre propriété. Les constructions nouvelles sont la propriété du groupement.
Les 5 chefs d'exploitation sont salariés du groupement ainsi que la main-d'œuvre familiale. Et c'est une révolution psychologique. Il s'agissait d'abord pour chacun de nous d'abandonner l'idée de la propriété individuelle. Ainsi, moi, par exemple, pour que ses apports soient suffisants, j'ai donné tous mes biens à mon fils quand il est entré dans le groupement collectif. Aujourd'hui, dans ce groupement, je suis salarié. Moi, à mon âge, j'aurais dû mettre en fermage ou les vendre. Mais dans le groupement collectif, je peux encore travailler utilement à des travaux moins pénibles. Ou pourtant, il faut un homme d'expérience. Donc, je peux encore travailler longtemps ou m'arrêter. Ça, c'est important. Pour rentabiliser notre élevage, le groupement a décidé la construction d'une stabulation libre. Nous avons fait des plans qui ont été approuvés par le général de Poitiers, puis par celui de Paris. Nous avons demandé les crédits prévus par la loi. Il nous fallait 17 millions d'anciens francs, nous les avons attendus 2 ans. Cette ferme ancienne est bâtie sur un terrain de 3 hectares. L'ensemble servira à implanter la ferme collective. Tout ça doit disparaître pour faire place à la stabulation libre. La stabulation libre est le point de départ du groupement, puisqu'elle permettra de libérer nos femmes des servitudes quotidiennes et de faire une économie substantielle de main-d'œuvre. Enfin, en mars 1964, les crédits ont été débloqués et la ferme des Rosiers a été rasée au bulldozer. Les plans de notre stabulation, nous avions eu 4 ans pour y réfléchir. De ce fait, notre stabulation, nous l'avons imaginée à notre goût. Et quand en octobre 1964, nous avons rentré les premières vaches, nous étions satisfaits. Solution, vous, pour une vie normale? Avec le groupement, on a le matériel qui convient, on travaille mieux, on fatigue moins. Avec la stabulation libre, les femmes sont débarrassées du souci des bêtes. Elles peuvent rester à la maison. On ne fait que commencer, puis déjà, ben, c'est mieux. Maintenant, nous avons d'autres projets. Par exemple, installer une porcherie unique, puis achever de bâtir notre ferme collective, puis cultiver davantage de terres puisque nous en avons les moyens, et puis continuer. Voilà ce que nous avons fait. Nous nous appelons Couillot, Nerbusson, Baudin, Boussicot et Fortuné. Nous sommes de Massogne, dans la Vienne.